Bonjour tout le monde, bienvenue sur lamagiedesetangs.com. Aujourd'hui, je montre une carte wow, que moi, pour ma part, c'est une carte que j'appelle over the top, comme on dit dans le domaine. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails. Donc, je suis partie ici du jeu des temples, simplement formidable, et des Tin Lits à sortie. Donc, on a le mot ensemble, formidable et tout. Ces deux-là sont faits pour aller ensemble. Donc, ça, vous pouvez l'obtenir en cadeau avec une commande de 60$. Et les Tin Lits, c'est la première fois qu'on peut avoir ça en cadeau avec 100$ d'achat, 120$ d'achat. Donc, d'ici au 31 mars 2018, ce sont des primes célébration. Après ça, c'est fini. Vous ne pourrez plus les avoir. Donc, profitez-en. Ça a été un coup de cœur. Alors, je suis partie de ça. Et puis, pour la rendre over the top, j'ai été ici, catalogue annuel, les Tin Lits Adorables Lauriers. J'ai déjà fait un Facebook Live là-dessus, je vais vous remettre le lien. Ça avait été très populaire. J'adore ça pour venir ajouter un élément surprise à l'intérieur de ma carte. Donc, quand vous achetez les Tin Lits Adorables Lauriers, vous avez bien sûr les lauriers ici qui peuvent servir à beaucoup d'autres choses. Vous pouvez même les superposer pour faire des couronnes. Vous avez feuillage, petites étiquettes avec détails pour l'étiquette. Regardez ça. On a même les deux quand on veut en faire. On les pose ici à l'intérieur de l'étiquette. Et puis, vous avez une bannière et une décoration de bannière pour accueillir un vœu. Ce que ça donne dans la vraie vie, alors ça donne ceci. Déjà, l'enveloppe, à mon sens, à moi, fait wow. J'ai vraiment été chercher la fleur ici du jeu des tempes, les tempes ici et celle-là. Et puis, pour les papiers design qui sont miroitants, qui sont très, très beaux, je vais vous approcher un petit peu. J'ai choisi, allez voir dans le catalogue en toute occasion, pages 10, 11, 12 et 13, il y a la fameuse collection Douce Soirée. Et là-dedans, vous avez vraiment tout ce qui est coordonné pour créer des superbes projets. Donc, vous m'avez déjà vu bricoler avec ça, les pochoirs, utiliser le ruban. Là, je me suis servi des beaux papiers design ici, spécialité Douce Soirée, qui sont, il y a du argent d'incrusté à l'intérieur. Regardez ça, comment c'est beau. OK? Et on a la chance qu'il soit imprimé des deux côtés, avec des motifs qui n'ont pas de argenté. Donc, s'il y en a qui veulent y aller plus doux, vous avez le choix. Moi, j'ai choisi ces deux-là ici pour aller créer de la texture et de la brillance. Donc, vous voyez ce que ça donne, ma carte ici. J'ai commencé par étamper tous mes éléments et j'ai ancré à l'éponge le cœur de la fleur. OK? Ensuite de ça, j'ai placé mes Tin Lits dessus, les Tin Lits que j'ai obtenus en prime, pour aller découper le tout et formidable en noir pour le contraste. Ça, c'est, il y a simplement aussi, là, il y a la petite boucle en ruban organza qui est aussi dans le catalogue occasion. Et j'ai posé ça en dimension ancrée en bleu, ancrée en murmure marin tout le tour aussi. Ça, c'est du washi tape ici pour démarquer le tout. Et puis, j'ai rajouté des petites touches de brillant. Le reste, la texture et la brillance sont apportées par le papier design qui est incrusté de feuilles argentées. Donc, à mon sens, à moi, ça, c'était déjà une carte wow parce que je suis quelqu'un qui aime créer des cartes simples. Et là, je me suis vraiment forcée pour pousser plus loin. Et là, attendez de voir à l'intérieur quand on ouvre. Donc, voyez-vous, ça s'ouvre en même temps que la carte. C'est un mécanisme que Stampin' Up! A pensé avec 6X pour vous offrir ces tinlits-là, adorables lauriers, qui sont vraiment exclusifs. Donc, regardez la bannière dont je vous parlais, je l'ai ancrée. J'ai répété 3 feuilles. C'est pas si long que ça à faire parce que le mécanisme, il nous arrive tout découpé avec la Big Shot. On a juste à coller les bannières aussi. Donc, c'est une carte qui est wow, mais qui prend pas tant de temps que ça. Vous allez vraiment vous amuser et surtout, vous allez épater la galerie. Alors, si vous voulez avoir plus de détails, la place la plus remplie d'inspiration, c'est sur lamagiedesetampes.com. Mais je suis également sur Facebook, la page La Magie des Étampes, et sur Instagram.
N'oubliez pas de vous abonner à mon infolettre. C'est là que j'envoie toujours les dernières nouvelles. Donc, dans la colonne de droite de la Mèche des Étampes ou dans le lien qui est en dessous de cette vidéo-là, allez vous abonner. J'offre beaucoup, beaucoup de tutoriels gratuits. Alors, j'espère que vous avez aimé ma carte Over the Top et que vous allez la bricoler. Montrez-moi ce que ça va donner si vous le faites. Bonne journée!